Bon alors, la suite de hier et ce qui vient aujourd'hui. Alors là, vous voyez, il y a une grappe d'abeilles là, une branche. Celle-là, cette grappe d'abeilles. Elle ne s'occupe pas de celle qui vole autour. C'est un autre essaim qui vient de sortir. La grappe d'abeilles qui reste dans la branche là, ça là, c'est la suite de ça. Leur famille est là. La reine est là-dedans, et elles sont pas tombées en même temps que les autres, elles sont remontées tout de suite dans l'arbre, alors que les autres se sont foutues dans la ruche et elles n'ont pas bougé. Elles étaient sous la ruche toute la soirée, toute la nuit, et ce matin, une partie de la nuit, je suis venu voir à 1h du mat, il y avait encore une grappe d'abeilles sous la ruche. Et ce matin, hop, tout le monde était rentré à la ruche. Mais la petite grappe qui est là n'est pas venue les rejoindre. Et là, il y a un essaim qui vient de sortir et qui est en train de se grouper encore dans cette putain d'arbre. Voilà, c'est un truc de fou. Hein. Et c'est en train de se grouper là par là, dans cette branche là, là, celle-là, là. Donc, c'est le bordel. Déjà hier, on a galéré, mon voisin m'a aidé. Moi, avec un outil, j'ai courbé la branche, lui, après, il a coupé, c'est tombé, plaf. Ouais, c'est pour ça que j'avais mis des draps partout. J'ai mis quatre grands draps blancs partout là, pour récupérer toutes les abeilles sur place. Puis c'est ce qui s'est passé. Mais il y en a une partie qui est pas tombée en même temps que les autres, qui est restée, et puis qui est remontée dans la branche. Et là, aujourd'hui, il y a cet essaim-là qui est en train de se grouper. Vous voyez un peu le bordel. Évidemment. Faut que j'aille moi faire un truc. Hein. J'ai un rendez-vous avec un grand-père là pour du matos. Et du coup, il faudra que j'attende de revenir voir en fin d'après-midi ce qui s'est passé. Si elles sont toujours sur la branche, si on arrive à faire couper la branche, quelque chose comme ça, grimper dans l'arbre, je sais pas, un mélange de tout ça quoi. Bon, enfin voilà, encore des acrobaties en perspective. Quoi. Alors je sais pas si vous avez entendu, il y a les loriots qui sont de retour. On les entend siffler. Le loriot jaune. Tous les ans, ils sont là vers fin avril. Ça fait 4-5 jours qu'ils sont arrivés. Bon voilà, donc là il y a de l'abeille qui se regroupe. Allez, encore un essaim qui va me faire chier à attraper. Bon voilà. Bon voilà, c'est tout. Bah, écoutez. On vous tiendra au jus. Hein. Là, celles-ci sont très tranquilles. J'ai regardé pendant un bon moment tout à l'heure, ça bouge très peu. Ça bouge très peu. Ah oui, il y a très peu de mortes par terre. Il y a 7 ou 8 ou 10 mortes, une quinzaine, ouais, peut-être une vingtaine, trentaine d'abeilles mortes, c'est tout. Voilà. Bon voilà. Donc je sais pas ce qui va se passer. Là-haut, ça se groupe, ça se groupe, ça se groupe. Restez groupés. Hein. Ça c'est groupe. Bon, eh bien, c'est super. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée à tous. On verra la suite plus tard. Ciao.